Johnny Sexton, il est toujours là, l'inamovible, capitaine de cette équipe irlandaise, 108e sélection. Et désormais, l'hymne néo-zélandais, le Defend New Zealand. Sam Kane au bout de l'alignement des Néo-Zélandais avec son maillot 7, son maillot numéro 7. Sam Kane qui va essayer de ne pas être le capitaine d'une équipe qui perd deux fois de suite à domicile. La dernière fois, c'était en 1998. C'était un samedi historique la semaine dernière avec la première victoire des Irlandais en terre néo-zélandaise, tout comme la première victoire des Gallois en terre sud-africaine. Mais attention, on va peut-être déjà, dès le haka, sentir l'air, l'envie de revanche. Un haka qui va être mené par Aaron Smith. Dans ces cas-là, on se tait, on en profite. Smith avec, on l'a senti déjà de la tension dans ce haka. Alors parfois il y a le Kapaopongo quand c'est peut-être encore plus tendu. Là ce n'est que le Kamate, mais les Néo-Zélandais sont dans leur match. Est-ce que les Irlandais, on a vu quand même un Bundiaki forcément pour qui ça résonne ce haka. C'est un moment particulier. On vous rappelle qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont nés en Nouvelle-Zélande. Le numéro 9, Jamieson Gibson-Park, James Lowe Lely, qui a même joué pour les Maori All Black, Bundiaki. Donc il y a trois Irlandais titulaires qui sont nés en Nouvelle-Zélande. C'est forcément pour eux un moment particulier. Mais vous avez remarqué qu'ils n'auront pas sorti le Kapaopango. Comme quoi, ça reste, ils veulent leur dire non, mais c'est un match ordinaire, c'est un tense match. Sauf qu'en Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, on considère ce match déjà comme un match de Coupe du Monde. Rendez-vous compte de l'enjeu. Wayne Barnes arbitre ce match. Arbitre évidemment de niveau international pour le dernier match des All Blacks avant le Rugby Championship. Vous voyez, c'est son 99e test match. Le prochain, ce sera peut-être lors du Rugby Championship qui débute le 6 août. Ce sera évidemment sur les antennes de Canal. Les Néo-Zélandais commenceront par un sacré morceau puisqu'ils iront jouer en Afrique du Sud pour le premier match de Rugby Championship. Mais aujourd'hui, c'est un autre morceau. C'est l'Irlande. L'Irlande qui peut devenir numéro 1 mondial en 4 victoires aujourd'hui et qui peut surtout être la 2e équipe de l'histoire à gagner une série en Nouvelle-Zélande après la France. En tout cas, la 2e équipe européenne. Sur trois tests, eux. Bien entendu, mais nous on avait déjà gagné 2 tests. Même s'il y en avait un 3e, éventuellement, on aurait fait 2. La dernière fois, vous le voyez, que les All Blacks ont perdu 2 matchs à domicile consécutivement.
C'était en 1998, 24 ans. 24 ans, est-ce que Wellington et le Sky Stadium de Wellington sera le théâtre de leur cauchemar? En tout cas, évidemment, les Irlandais ont envie de marquer les esprits et l'histoire aujourd'hui. Le voici, James Love. Le match décisif entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, ce sont les Irlandais qui donnent le coup d'envoi dans leur maillot vert avec Johnny Sexton. Un renvoi capté par les Blacks dans leurs 22 mètres. Les Néo-Zélandais qui avaient été surpris lors des deux premiers matchs par les excellents débuts des Irlandais qui tout de suite réussissaient à marquer des essais. Donc les Blacks sont prévenus, il va falloir tenir dès le départ, essayer de ne pas subir cette possession permanente, cette pression permanente de la part des Irlandais qui alternent bien aussi possession de balles et jeu au pied. Acquis titulaire donc aujourd'hui, lui qui avait marqué un essai lors du premier test remporté par les Néo-Zélandais. Voilà encore une fois avec Kaelan Dorris qui passait. La semaine dernière c'était Tagberne avec le casque bleu, non, qui n'a pas été servi, mais encore un excellent début avec Robbie Henshaw. Et derrière sur les extérieurs pour O'Mahony. Quelle entame encore une fois des Irlandais. Ballon perdu quand même sur le plaquage de Jordy Barrett. Vous le reconnaîtrez peut-être pas, il s'est fait raser les cheveux. Ouais, et les Irlandais sont vraiment sur le rythme habituel qu'on leur connaît dans cette tournée, c'est-à-dire faire beaucoup bouger le ballon, beaucoup jouer, avec Sexton qui est vraiment remarquable en ce moment. Et on va voir ce plaquage manqué sur le numéro 8 Doris. Et en plus ça part très vite, c'est vrai que Sexton a mis très vite, et les joueurs ça va venir se mettre dans les intervalles. Jordan a réussi quand même à bloquer le premier joueur, O'Mahony va prendre un bon tampon, mais... Boden Barrett a réussi à arrêter le ballon. Et il est vrai, quand je dis qu'il a fait un bon tempo à O'Mahony, il est touché à l'épaule. Il s'est fait mal à l'épaule. Alors comme ça, on le confondra un peu moins avec son frère Jordy Barrett. Premier lancé, première touche importante. Évidemment, elle est captée par James Ryan dans les 22 mètres des Néo-Zélandais avec Bundiaki qui est stoppé par Hardy Savea. Le jeu rebondit rapidement pour les Irlandais. Doris avec un gros plaquage de Boden Barrett. Un match qui est parti à toute allure. Jamieson Park pour Porter, doublé, auteur d'un doublé la semaine dernière pour les Irlandais. Le 15 du trèfle en marche pour une histoire, avec un ballon gagné par Nepo Laulala, le joueur des Blues. Mais les Blacks sont toujours dans leurs 22 mètres, ils vont sortir désormais. Un plaquage sur un joueur qui n'avait pas le ballon. Obstruction. Et ils ne sortiront pas de leurs 22 mètres. Ils avaient mis 7 minutes pour craquer lors du premier match. Ils ont mis 3 minutes la semaine dernière pour craquer. Est-ce que, là encore, les Irlandais vont marquer rapidement dans le match, à moins qu'ils ne tentent les points? Kane qui est pris. Kane est très, très critiqué dans le pays. Et puis surtout, il y a eu un incident la semaine dernière, on l'a su après. O'Mahony l'a traité, l'a vraiment chambré et l'a traité de Mako sous merde. Voilà, si vous avez compris, ça n'a pas plu du tout à Mako, à Kane, mais ça n'a surtout pas plu au public néo-zélandais, parce que c'est se moquer d'un capitaine All Black, et on ne peut pas traiter quand même un capitaine All Black de merde, ça ne se fait pas. Alors après, il faut assumer sur le terrain. Bon, il y a une quarantaine d'années, ça serait réglé différemment. Là, aujourd'hui, bien sûr, il faut rester dans des canons licites de jeu. Indication, les Irlandais n'ont pas pris les points. Ils veulent aller marquer au fer. C'est Néo-Zélandais sur ce ballon porté, capté par James Ryan. Le ballon qui s'organise, le mot qui s'organise pour essayer d'avancer. Ils y parviennent, les Irlandais, dès la quatrième minute, ils vont entrer dans leur but. Des Néo-Zélandais pour le premier essai. Une nouvelle fois, ce sont les Irlandais qui frappent les premiers. Et toujours rester cette tactique des All Blacks de ne pas vouloir au contre, de ne pas aller au contre en l'air, au contraire on va en bas pour essayer de bloquer la progression de l'équipe. Mais les Irlandais jouent tellement bien ces ballons sur les touches que je me demande s'il ne faudra pas que les All Blacks trouvent quand même d'autres solutions. Regardez, ils sont concentrés sur la poussée, mais la poussée effectivement comme ça, ça pivote très bien au niveau des Irlandais, on ne sait pas trop où est le ballon, les Noirs ne peuvent pas savoir où est le ballon. Et puis donc vous avez des joueurs qui sont mis hors de position, qui ne peuvent plus plaquer, qui sont obligés de se retirer. Et le dernier plaqueur, regardez, bien sûr, c'est Aaron Smith, le pauvre. Il prend 500 kilos dessus, il ne peut rien faire.
Et Josh Van Der Sier qui marque le premier essai. Andy Farrell, oui, le coach anglais qui est aux commandes de cette équipe irlandaise depuis 2020, est en train de réussir une tournée magnifique avec le 15 du trèfle. Johnny Sexton qui veut aujourd'hui passer la barre des 1000 points en sélection. C'est peut-être pour maintenant. Oui, ça devrait se passer, ça devrait se produire aujourd'hui quand même. Hein. S'il passe la transformation, ce sera pour aujourd'hui. Vous voyez, le record en Irlande, c'est O'Gara, 1083 points. Bon, le record de Carter sur le passage international est un peu loin. Il a quand même déjà 37 ans, Johnny Sexton. Ouais, ce sera difficile. Ah, il travaille vraiment, vraiment les entames de match, les débuts de match, les Irlandais. Là aussi c'est un coup de pied, eh bien non, qui passe à gauche, donc il va falloir attendre pour les 1000 points de Sexton, mais ça fait 5-0 pour les Irlandais de Josh Van Der Flier, 8e essai en sélection pour le 3e ligne. La morale presque de ce début de match, c'est de se dire quand on joue les Irlandais, il faut avoir la possession du ballon. Si vous avez la possession du ballon, ils ne peuvent pas faire tous ces mouvements, ils ne peuvent pas animer, ils ne peuvent pas vous mettre hors de position, ils ne peuvent pas trouver les intervalles et vous casser les plaquages. Ou alors il faut leur prendre les ballons dans les rucks, mais... Et le problème, c'est que les Blacks l'avaient fait deux fois, mais ils ont été sanctionnés. La sanction, la discipline, c'est ce qui avait fait la différence la semaine dernière. C'est déjà ce qui fait la différence en ce début de match. Oui, parce qu'ils avaient pris, rappelons, un carton rouge. Hein. Deux jaunes et un rouge. Voilà. Donc les Blacks ont joué au moins pendant, presque tout le match à 14. Le ballon est capté par Jordi Barrett pour Boden. Boden dans le fermé, dans le couloir des 5 mètres. Voilà le contest des Irlandais, mais ballon conservé par les Néo-Zélandais de Lolala. Smith, Barrett, avec la passe au pied pour aller chercher les extérieurs. Rayeko Ioane qui a réussi à voler pour Sivouris. Sivouris s'en sort avec Savea, plaqué par Robbie Henshaw. Placageau, c'est dommage parce que le blocage du numéro 8 Doris, c'était remarquable. Cette équipe d'Irlande, on le rappelle, qui est à très très forte connotation Leinster. C'est pas dur, il n'y a que 3 joueurs sur le 15 de départ, 3 joueurs qui ne sont pas du Leinster. Donc c'est l'équipe de province irlandaise de Leinster qui défie les Blacks aujourd'hui. Qui a l'habitude de jouer ensemble, on va se répéter et surtout... qui a été très influencé au départ du renouveau de l'équipe d'Irlande par Schmidt, l'entraîneur qu'on a vu passer à Clermont, qui a entraîné donc le Leinster et qui a entraîné aussi l'équipe d'Irlande et qui maintenant est conseiller technique des All Blacks. C'est quasiment un des premiers ballons pour les Blacks dans la moitié de terrain de cette équipe irlandaise avec la touche qui a été captée par Savea. On part vite, le jeu au pied de Boden Barrett, il est long, il est très long ce jeu au pied, mais il est juste devant Mac Hansen, juste devant sa ligne d'embut. Grosse pression mise par le pied. C'est voulu. Ça, c'est nouveau aussi. C'était pas, ils n'ont pas joué comme ça la semaine dernière. Non, c'est voulu. Bien sûr que c'est voulu. Et c'était remarquablement fait. Ça se joue à peu de choses. Hein. Pour life. Parce que quand ils font ça, les Blacks, effectivement, c'est pour essayer de récupérer le ballon en l'air. Et c'est vrai qu'Hansen a été très bon. Il manque un mètre. Et Rico Ioane est obligé de l'éviter. Mac Hansen. Ballon pris. Premier ballon perdu par les Blacks en touche. Gibson Park avec la protection de Tak Furlong. Aussi c'est bien fait. Ouais, bon ballon capté par Boden Barrett face à James Ryan. Le soutien est là pour les Blacks dans le fermé avec Ardi Savea. Savea, il y a un mur vert devant lui, mais il insiste. Il arrache, il s'arrache, il s'est arraché du premier plaquage de Mahoney, mais pas de celui de Kylian Dorries. Smith, quasiment sur la ligne médiane. Au pied. Ah, ils utilisent beaucoup plus le pied qu'ils ne l'ont fait déjà la semaine dernière. Les conditions sont bonnes aujourd'hui à Wellington, contrairement au match des Maoris qui a eu lieu dans ce stade mardi, où les Irlandais ont une nouvelle fois gagné. Avec Sam Kane au sol. Ballon. Ah oui, pénalité. J'allais dire gagné par les Irlandais. Non, Bundiaki est sanctionné. C'était vu. Il était bien acquis, sauf que le joueur, j'ai pas vu le Black qui était au sol, c'est Sam Kane. Sauf que Sam Kane met tout de suite le ballon hors de portée des mains de irlandaises. Et Jordi Barrett, lui, va certainement désigner les poteaux pour être pragmatique et marquer les points. Mais le ballon a été mis très très vite derrière, de ce qui fait que porteur et acquis ne peuvent pas jouer ce ballon. Ils n'ont pas le droit de le jouer.
Ouais, oui, mais il y a faute. Jordi Barrett, quelle opportunité donc de marquer les premiers points des All Blacks dans ce match après 10 minutes de jeu. Ouais, la semaine dernière 50%, mais bon, il n'a pas beaucoup tenté. Vous avez vu, hein, deux tentatives seulement pour Jordi Barrett. Ah, vous étiez tellement dominé qu'il fallait essayer de marquer des points, et puis ils n'étaient que 14. Donc difficile de passer cette défense irlandaise. Et puis ils n'avaient pas assez de ballon. De toute façon, pris dans tous les compartiments. Première tentative qui passe à droite. Just don't hold legs on the floor, please. Yeah. Va falloir laisser beaucoup de points en route. Et il le sait, Jordi Barrett, c'était une sacrée opportunité qui est manquée. Et les 20 premières minutes sont 20-0. Très à l'avantage de l'Irlande depuis le début de cette série. À chaque fois, ils ont laissé les Blacks fanny, ces Irlandais. En avant ? Non ? Oui, il y a en avant. Scrum, black ball. Ouais, mais on attend effectivement de cette équipe black, mais surtout des avants. On attend quand même un travail de destruction beaucoup plus efficace. Or, comme ils n'ont pas de ballon, ils n'arrivent pas à imposer cette destruction qui a fait aussi, il faut dire, la fortune du rugby néo-zélandais pendant des années. Parce qu'on a beau parler qu'ils marquent beaucoup d'essais, depuis la dernière Coupe du Monde, ils marquent à peu près 6 essais par match. C'est dire quand même qu'il y a du volume de jeu. Seulement, devant, il faut avancer. Et c'est pas le cas. D'où ce débat en Nouvelle-Zélande pour dire que ce 5 de devant est légèrement vieillissant et que peut-être il faudrait y mettre du 109 à un an de la Coupe du Monde. Bras cassé pour cette mêlée. On est dans le camp des Irlandais. Tag Furlong. Prenez une mêlée. 60e sélection aujourd'hui pour le pilier du Leinster. I thought the break foot came on, all the weight came through. I thought yours went first, that's what I saw. Qui est venu avec les Lions britanniques en 2017, jouer face à ces mêmes All Blacks. Les Lions qui avaient fait match nul. Qui avaient une victoire, un nul et une défaite. Donc qui avait fait jeu égal avec les All Blacks. Avec un nul au dernier test qui a prêté à contestation, à juste raison d'ailleurs, sur une décision arbitrale. Crouch. De Romain Pouet. Bind. Mais le score. Et je crois que c'était O'Mahony le capitaine. C'était O'Mahony. On a aperçu un numéro 12 de David Avili qui revient du Covid. Lui aussi qui est de retour dans cette équipe. Cette équipe de Aaron Smith. Aaron Smith qu'on n'a pas beaucoup vu la semaine dernière parce que son équipe n'avance pas. Oui, parce qu'il faut se rappeler que comme ils avaient eu le pilier Taavao qui était sorti sur carton rouge, on a fait sortir Artis Savea, ce qui aussi a été quand même très critiqué. Et que Foster était très critiqué sur ce choix, parce qu'Ardis Savea, c'est un type qui peut jouer en 8, qui peut jouer avant elle, qui saute en touche, et vous vous privez quand même du joueur le plus remuant de votre équipe. Il fallait peut-être en sortir, quand je dis peut-être, c'était sûr qu'il fallait en sortir un autre. Et ça a été une erreur tactique qui a été vitupérée par beaucoup d'anciens joueurs. Tavao qui a pris 3 semaines de suspension, 6 semaines de départ, ramené à 3 semaines parce que son casier était vierge après le. Oui, puis c'est vrai que c'était un point qui a presque accidentel, quoi. Il n'a pas fait exprès. Mais... Allez, ballon pour Aaron Smith à hauteur. Ioane qui avance avec le soutien de Rieko, son frère. Cody Taylor qui était waterboy la semaine dernière, et Cody Taylor, il est là, il avance, même si les Blacks ont besoin de tenir le ballon, ils ont besoin de se rassurer, ils ont besoin de sentir cette balle pour aller inquiéter les Irlandais. Oui, mais malheureusement, même s'il y a quelques plaquages banqués, pas beaucoup, ils avancent pas bien. Puis regardez les Irlandais, l'excellente organisation des Irlandais qui savent ne pas trop aller nombreux dans les zones de rencontre pour être au plus près justement sur le côté, parce qu'ils savent que les All Blacks vont essayer de les pilonner au ras pour essayer d'avancer très très vite dans l'axe et rejouer très vite dans le dos de la défense. Ils n'y arrivent pas pour le moment.
Et vous voyez Plumtree, qui est l'adjoint de Foster, doit analyser ça, mais avec la chemise blanche, hein, Plumtree, ancien troisième ligne de Willington, ici même, il jouait. Attention, parce que certes, les Irlandais ont battu les Blacks la semaine dernière, certes, les entames de match sont à l'avantage des Irlandais, mais lors du premier test, c'était pareil, ils étaient menés 10-0, et puis en 20 minutes, ils ont mis 4 essais, hein, ces Néo-Zélandais, donc ils le savent, les Irlandais, rien n'est fait. Soigner la discipline, c'est essentiel évidemment. Gibson Park, grand côté. Et Sexton qui tout de suite allait chercher extérieur. McCansen a été chauffé par Siboris, ballon récupéré par Kane. Savea, la fin de passe d'Ardi Savea, le gros raffut sur Van der Fier, et derrière le jeu qui peut continuer. Jordi Barrett, le coup de pied recentrage. Avec oui, la chaud, pression, oui, parce que Rieko Ioane était monté. Four life. C'était dégagé, là c'est peut-être Keenan l'arrière. Ah, c'est joué par Savea. Vous voyez qu'il est très remuant, très intéressant toujours. Savea qui vous remet en sens de la marche. Barrett parfaitement du pied gauche remet. Et c'est... Je pense que c'est Keenan l'arrière qui était bien placé. Sam Whitlock qui a manqué la semaine dernière, notamment pour calmer les esprits dans des moments chauds. Taylor, redire à Talik, ballon contesté mais conservé par les Blacks. Ils y vont en contre et ils vous gênent. Akira Ioane, les Blacks qui conservent. Savea, attention au plaquage un peu haut de la part de Van der Fier. C'était du côté opposé à Wayne Barnes. La pression de Boden Barrett. Ouais, il est récupéré. Jordan en avant. Will Jordan, non. Mais c'est bien essayé. Alors, il y a un en avant de la part de Will Jordan, moi. Oui. Avec le bras tendu, avantage pour en avant. Mais c'était très proche de la récupération pour Jordan. Alors ça, le but, tout le monde l'a bien compris, les deux chandelles, c'est pour obliger effectivement la défense irlandaise à reculer et obliger les joueurs de couloir, les deux ailiers éventuellement à l'arrière, à reculer encore plus. Et puis à un certain moment, bien sûr, on changera de tactique. Mais là, il faut leur dire qu'on n'est pas dupes et qu'on va essayer de les mettre en difficulté dans leurs 22 mètres. C'est remarquablement tapé. Oui, exactement. Les deux coups de pied haut, très haut de Boden Barrett ont été parfaitement exécutés. Exactement. Pour l'instant, les Irlandais s'en sortent bien. Bon, Jordan quand même en avant, et tout à l'heure c'était le joueur irlandais, je ne me rappelle plus lequel, qui a bien tenté le ballon. Comment ? McCansen. McCansen qui a bien dégagé. Oh là là. Et la touche avec un et encore un nouvel Boden Barrett qui a essayé d'éteindre le début d'incendie parce que le lancer de Cody Taylor n'avait pas trouvé preneur. Ballon dégagé par Love. Il trouve la touche. Oh, il est magnifique, 5-50-22. Ouais, c'est un 50-22. Mais le ballon était rentré comment? Ouais. Est-ce que c'est... Non, ils sont dans les... Il est au-delà des 22, donc... Oui, donc c'est un 50-22. Est-ce qu'il est sorti devant les 22 ou dans les 22? Non. L'endroit où il est, où il récupère le ballon, il est au-delà des 22. Il est dans entre les 22 et les 50. Mais c'est pour ça qu'ils ont remontré le ralenti. Ils sont bloqués. Épreuve de force avec des Blacks qui avancent. Ouais, mais ils vont perdre le ballon s'ils continuent pas à avancer. Parce qu'il a bien dit d'ailleurs, Waynes. Il a dit still moving. Et voilà. Comme le ballon n'est pas sorti. C'est ça. Still moving. À partir du moment où vous avancez, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avancez pas, c'est ballon rendu. Ah, c'est rare dans un stade en Irlande que vous entendez le public hurler à Irlande ou Wales ou Scotland ou France. Et ils y sont les Irlandais. Ian Foster à droite de l'écran, 70% de victoire depuis qu'il est aux commandes de cette équipe néo-zélandaise depuis 2020.
Ah, si Mahoney est blessé, ça va faire le bonheur du public néo-zélandais. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, mais il est de la trempe, lui. Des Duggan, Slattery, Kavanagh, c'est des guerriers. Ça, c'est... 87 sélections aujourd'hui pour Peter O'Mahony, le joueur du Leinster. Deux Coupes du Monde, une tournée des Lions, trois tournois remportés, un grand chelem, une Coupe d'Europe. Ça va ? Ou j'en rajoute ? Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais en plus, il appartient à cette race de guerriers, des types, ça prend des coups. Et qui est capable de brancher le capitaine des All Blacks aussi. Voilà, oui, oh, mais okay, il assume. Hein. Je ne vois pas pourquoi on est sur l'arbitre de touche. Avec une mêlée introduction irlandaise. Je crois que c'est pour tout à l'heure, parce que le ballon est sorti juste avant les 22 mètres, voire sur le coin des 22 mètres. Oui, et si c'était un mètre de plus, et c'était un 50-22. Non, Nicolas, il tape au-delà des 22. Il nous devons montrer le ralenti. Watch on, please. Control. Crouch. Bind. Set. Keep high. Une belle stable avec un bon départ de Gibson Park, le petit coup de pied rasant. Attention à Rod Smith, il a choisi d'aller l'enfermer. Il s'est mis en danger à Rod Smith, le soutien qui doit arriver pour le demi de mêlée néo-zélandais. Bien anticipé, quand même. Hein. Ouais, en revanche, le choix derrière, un peu étonnant, parce qu'ils se mettent en danger, ils sont sous pression. Ils sont sous pression pratiquement depuis le début du match. Okay, le problème. Pour eux. On a vu que le problème pour les Néo-Zélandais, c'était les 20 premières minutes. On va bientôt en sortir ces 20 premières minutes. En mode diesel, les All Blacks, ce qui n'est pas tout à fait coutumier. Bon, même si c'est vrai que par le passé, on les a vus souvent gênés, avec des équipes qui les gênaient pendant une heure avant qu'ils accélèrent. Mais là, depuis quelques temps, c'est pas trop le cas. Ils sont quand même sur une mauvaise série, hein, ces Néo-Zélandais. Ils ont perdu 3 des 4 derniers matchs. Enfin bref, c'est plus les All Blacks dominateurs à 14 mois de la Coupe du Monde. Exactement. C'est pour ça que je dis que le public pense que c'est le début de la Coupe du Monde pour eux. Hein. Ça va donner quand même des idées à tout le monde. Hein. Oui, le Rugby Championship donnera des indications également. En tout cas, déjà, on sait que les équipes du Nord vont bien. Avec Tagburn ici qui a permis à son équipe d'avancer. Ballon protégé par Van der Fleer. Ballon disponible pour Gibson Park. Sexton, le petit coup d'œil de Johnny Sexton. C'était bien vu quand même. Voilà, il a essayé de chercher la touche, mais Will Jordan ne va pas pouvoir trouver une touche très très longue. Il laisse le ballon dans l'air de jeu. Ils repoussent les Irlandais dans leur moitié de terrain. Ils vont lui rendre l'appareil. Voilà, fin de passe de Sexton. Sexton, très inspiré, Johnny Sexton, depuis le début de cette série. Avec Doris. Sexton à nouveau. Ben Barrett. Vous voyez par Mackensen. Il n'y a pas d'en avant. Le ballon a été arraché par Whitelock. Voilà où il est précieux aussi. Sam Whitelock avec le coup de pied d'Abili. Abili qui va renvoyer le jeu dans les 22 mètres. Et là, c'en est un 50-22. Vous avez raison, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. J'étais devant, effectivement, la ligne des 22. Et alors après, ça dépend de l'arbitre de touche qui estime que. C'est pour ça, je crois qu'on l'a revu parce que. C'est... Ouais. Mais je voulais le All Black, en sortant, il a tout de suite montré non, c'était devant. Ah oh, bah oui, bon. Il n'allait quand même pas dire. Cody Taylor. Dernier lancé perdu par les Néo-Zélandais. On utilise le premier bloc avec Savea pour le talonneur, la passe de Cody Taylor, pas assuré pour Rieko Ioane. Réglé tout ça. C'est... Sam Kane, le contest de Berne. Ballon conservé. Séquence de pilonnage. Souvent, ils sont efficaces dans ce genre de phase de jeu, même s'il y avait les mains sur le ballon. De façon irrégulière, les Irlandais, face au poteau. Les Néo-Zélandais, en général, prennent les points. Mais ils voudraient peut-être mieux essayer. Hein. Non ? Ah, peut-être pas.
Si, si. Qu'est-ce qu'il dit, Kane? Parce que je voyais que... Jordi Barrett a dit qu'il... Jordi Barrett, mais il attendait qu'on lui donne les consignes. Mais les All Blacks déjà nettement moins pénalisés que la semaine dernière. Une seule pénalité contre eux après 20 minutes. Alors bien entendu, on n'est pas au bout du chemin d'aujourd'hui. Hein. Mais quand on regarde, on se dit tout de même que cette équipe d'Irlande a énormément progressé. C'est vraiment... Et c'est pour ça que je disais que la Coupe du Monde, on parle toujours des équipes du Sud. Attention, même pour l'équipe de France, il faudra peut-être taper l'Irlande, le Pays de Galles, l'Angleterre, ok, mais peut-être que les deux, et vraiment les outsiders, ce seront les équipes du Nord. Jordi Barrett face au poteau, dans les 22 mètres, cette fois-ci ça passe. Les Blacks ne sont plus menés que 3-5. Vous avez aperçu les moustaches de Carl Pruneau coiffé avec les dernières minutes sur le banc. Et habituez-vous à son visage, vous allez le voir plus souvent cette saison puisqu'il sera sur les pouces de top 14. Du côté de Montpellier, le pilier que vous verrez tout à l'heure et non pas Nepo Lolala. Oui, c'est un peu mieux. Pour avec nous, touché au niveau du genou. Dont le frère, lui, évidemment, Casey, a fait les belles heures aussi du Racing. Et pour revenir à... Puis nous café, il connaît bien la région parce qu'il était venu déjà à Narbonne. Mais Narbonne était en deuxième div, enfin, c'était en deux, ouais. Pro des deux. Il a 6 ans, 7 ans, c'est ce qui a relancé sa carrière et depuis il est devenu All Black. C'est vrai, c'est formidable, c'est là qu'il a compris qu'il fallait faire des efforts. Et le bon lancer récupéré par Retallick sur le renvoi. Le renvoi était bon, mais la récupération de Brody Retallick également. Whitelock passe les bras. Non, il n'y a pas de solution, donc il passe par le sol. Boden Barrett pour son frère, Jordi. Jordi, un gros raffut pour se défaire de Dan Sheehan. Avili, il a long sauté d'Avili pour aller chercher Ioane. En bout de ligne, Will Jordan. Attention parce qu'il a été plaqué après. Et Johnny Sexton qui dégage en touche. Toute petite touche trouvée par le demi d'ouverture de cette équipe irlandaise. Will Jordan, il a pris un bon tampon. Oui, mais je pense la régulière. Hein. Ouais. Pas méchant. En plus, c'est un Néo-Zélandais qui lui a fait, c'est pas très grave. Prise de balle de Retallick. Pense peut-être pas comme moi d'ailleurs. Ballon vite sorti par Kane. Jordan avec Avili. David Avili. Cody Taylor qui avance. Gagner. Les ballons ralentis par les Irlandais. Whitelock en puissance sur Johnny Sexton. Rieko Ioane. Oh, la passe pour Sivoris. Vous avez vu Jordi Barrett qui s'est effacé pour laisser passer le ballon. Les Blacks ont du mal à avancer avec une défense qui monte très vite. Avili, il n'a plus de solution. Il était un peu perdu. Il se demandait où, comment faire. Alors, heureusement, il y a Akira Ioane qui relève cette balle. Hardy Savea plutôt. Le voici Akira Ioane avec Sivoris dans Serieco. Je confonds leur coupe. Superbe coupe. Oui, ça peut arriver. Et ballon gagné. Et ballon arraché par les Irlandais. Mais tout de suite, pression sur Mac Hansen. Et coup de sifflet de Wayne Barnes. Holding on. Les All Blacks sont hors jeu. Et oui, sur le ballon gagné par Van der Flyer, ils sont mis à la faute. Est-ce que c'est Retallick ou un autre, peu importe. Discussion. Et vous parliez de ce 5 de devant, c'est vrai que dans le 5 de devant, il y a quand même 4 joueurs qui étaient champions du monde en 2015. Donc effectivement, c'est une équipe devant qui vieillit, cette équipe de All Blacks. Et puis surtout, Nicolas, vous avez des joueurs qui jouent depuis 2011-2010. C'est pas rien, hein. Avec le rythme des All Blacks, ça use. Sur le banc, il y aura un nouveau Roger Trusavacek, aujourd'hui ancienne star du 13. Qui sera sur le banc des Blacks. Là aussi, il est attendu, mais c'est toujours du côté justement des trois quarts qu'on renouvelle beaucoup. Côté néo-zélandais, un peu moins côté devant. Hold the cap now, New Zealand. Thank you. Sheehan.
super prise de balle. C'est O'Mahony qui est allé chercher le ballon, qui a récupéré ce ballon et ça avance. Oh, c'est efficace. Oh, pénalité encore. Chian qui a libéré ce ballon pour Gibson Park. Aki, Sexton, la passe pour Hansen. Ça va vite sur l'extérieur. Kinnan, Hugo Kinnan pour James Lowe. James Lowe stoppé sur la ligne des 22 mètres. Bundiaki, la fin de passe, le crochet pour reprendre l'intérieur. Côté fermé, McHansen, James Hope sur l'extérieur, James Hope, la super passe pour Kinnan, c'est qui va marquer l'essai. Le deuxième essai des Irlandais, magnifique. Quelle préparation, à nouveau, quelle préparation avec un excellent moment en touche. Rappelez-vous, Moll qui avance, pénalité en cours, et ensuite Sexton qui anime. Ils font, et c'est très simple ce qu'ils font, et c'est très bien fait. Et surtout, ce qui est bien, c'est surtout ce qu'ils fixent remarquablement quand ils viennent jouer sur la zone des 15 mètres. Alors ils fixent remarquablement. Regardez, paf, Hansen qui est venu, et à chaque fois, ils arrivent presque à trouver un décalage. Bon, Love n'a pas pu passer, on remet le ballon à disposition, et ça, après, Sexton, tranquille, acquis, et hop, ça va repartir là-bas. Et regardez, il n'y a que deux défenseurs. Il n'y a que deux défenseurs, et ils sont trois verts pour attaquer. Ça, c'est la première fois. Non, c'est la deuxième fois, voilà. Et Love qui fixe. Et ils ne peuvent rien faire, ils sont à 3 contre 2. C'est joué, mais vraiment à la perfection. On avait plutôt l'habitude de voir jouer les All Blacks comme ça, dans ce registre, et pas les Irlandais qui souvent sont un peu dans le désordre. Là, il y a très peu de désordre, tout est très bien organisé. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment la défense des All Blacks n'est pas plus en éveil pour ses mouvements. Parce qu'il y revient souvent, hein, Sexton, sur le côté fermé. Alors, est-ce qu'on va les avoir, les 1000 points ? En bas, en quoi ça s'en fait ? Ça fait 1000 points. Les 1080 d'Ogara sont accessibles s'il continue à jouer, évidemment, Johnny Sexton, hein, parce que bon, il n'y a plus que 84 points. C'est déjà pas mal. Hein. Il a manqué la première transformation, Johnny Sexton. Et cette fois-ci, ça passe. Voilà, la barre mythique des 1000 points est franchie par Johnny Sexton. Et les Irlandais mènent 12 à 3 en Nouvelle-Zélande. Rien à dire, c'est une domination concrète. Et les Blacks qui ne trouvent pas les solutions. Alors, il y a peut-être un changement qui s'est quitté. Mais un peu à l'image de ce que l'on a vu tout à l'heure avec un David Avili qui récupère ce ballon. On l'a senti perdu, il ne savait pas trop où aller, David Avili. Et résultat, eh bien, on sent des Blacks un petit peu déboussolés. C'est un petit peu le symbole de cette équipe. Deux essais à zéro pour les Irlandais. Aucune solution. Hein. Alors, d'habitude, c'est vrai qu'ils arrivent à débloquer les matchs quelquefois avec des exploits de Jordi Barrett, Boden Barrett, ou Severis, ou Rico Ioane. Ça fait beaucoup de solutions. Seulement, à ce moment-là, c'est des solutions qui passent par les arrières. Mais les avants n'en préparent pas le terrain. Bon, on va en revenir sans. Ça va jouer vite. Quoi, hein. C'est joué rapidement. Boden Barrett. Rhys. Rhys. Il n'y a pas beaucoup de solutions devant lui. Regardez comme ça s'est refermé devant Severis. C'est le mur de l'Atlantique, là. Hein. Et les Blacks se mettent à la faute. Ouais, ils sont allés trop loin dans le début. Hein. Ça va commencer à discuter dans les travées du stade contre M. Barnes, on se rappelle, qui était l'arbitre du quart de finale à Cardiff entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et son arbitrage avait été sérieusement critiqué par la Nouvelle-Zélande. Pas par les joueurs, hein, mais après, journaliste et puis le public. Qu'est-ce qu'il fait, Sivoris? Il est revenu là où il ne fait pas aller. C'est Boden Barrett qui s'est mis à la faute. Tu vois, là, bien sûr qu'ils n'ont pas perdu leur rugby, les Blacks, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ouais. Et ils sont. Ah, il les tient dans la gorge. Voilà. Demi-heure de jeu, l'occasion pour Johnny Sexton de mettre son équipe à plus 12. C'est marrant, cette équipe d'Irlande, ça me rappelle les chiens de meute dans la chasse à cour. Qui lâchent jamais, qui font reculer la bête. Et les All Blacks reculent, ils prennent des points. Et les autres continuent à mordre. C'est dur. Mais la meute est irlandaise.
45 mètres, 49 mètres même, en coin, Johnny Sexton. Et ça passe, 15 Irlande, 3 Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas encore le feu, mais attention parce que la maison All Black tremble sur ses fondations. Non, il n'y a pas le feu, mais enfin, commence à devenir inquiétant. Hein. C'est très très inquiétant. Time you run. Parce que les Blacks ne sont plus du tout sur leur temps de passage dans n'importe quoi, les essais, les buts, la domination, la possession. C'est une équipe des Blacks qui tourne à l'ordinaire alors que les autres tournent au super. James Love encore une fois qui franchit. David Avili n'a pas réussi à le stopper. Mais c'est Brodie Retallick qui met ses grandes mains. Non, ballon conservé par les Irlandais. Sexton. Dévissé. Ah, c'est le tapé. Hein. Un petit coup sur Sivoris, ça n'a pas échappé à Wayne Barnes. Jordi Barrett cherche une solution. Jordi Barrett, il va falloir inventer quelque chose. C'est ce qu'il cherche avec Ioane. Smith, gêné. Avili conserve la balle. C'est un ballon lent. Rieko Ioane. Et Rieko Ioane. C'est un plaquage. George Bower sur la ligne médiane. Ils ont du mal à la franchir, ces Néo-Zélandais. Ils n'y parviennent pas avec San Kane qui entre dans la moitié de terrain adverse, mais pour un petit mètre seulement. Avili, pour l'instant, il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas d'espace laissé par la défense irlandaise. Regardez comme ils avancent pas les Blacks, donc on essaye d'inventer avec une passe au pied pour Sivoris qui l'a capté cette fois-ci, mais le soutien qui tarde à arriver. Le voici avec Rieko Ioane. Brodie Retallick comme un en avant. Et un peu à l'image de ce que l'on a vu beaucoup la semaine dernière. Il y a eu 27 ballons perdus par les Néo-Zélandais la semaine dernière sur des maladresses. Là, certes, ils le récupèrent une nouvelle fois, mais ce sont quand même beaucoup, beaucoup de munitions qui leur échappent parce qu'ils sont obligés de repartir de leur moitié de terrain à nouveau. C'est quand même le signe d'une équipe qui doute. Jordi Barrett vient s'empaler sur Cleland Doris. Que d'efforts pour ne pas progresser. McHansen en couverture. Il a le temps de dégager son camp. Ouais. Boden Barrett à nouveau. Boden Barrett, il est pris. Et le ballon est gratté par les Irlandais. Non, conservé par les Blacks. On est toujours dans les 40-40. Que d'efforts fournis par les Néo-Zélandais depuis 3-4 minutes sans parvenir à avancer. Est-ce que ça va payer? Est-ce qu'ils vont user la défense adverse? Et Avili contré parce que la passe de Will Jordan en fait, était un peu téléphonée. Ce qui est intéressant à regarder, c'est le déplacement d'un groupe, on va dire, de 7-8 Irlandais. Très très vite, il se déplace, on va dire, sur la zone des 15 mètres à gauche. Et très très vite ensuite, nous allons avoir encore un groupe de 7-8 Irlandais. Donc ça laisse très peu de solutions, même aux joueurs Black sur les ailes, pour trouver un décalage ou peut-être un petit espace pour rentrer. Et dès qu'ils sont éventuellement en infériorité numérique, il y a un joueur à ce moment-là qui monte complètement en pointe pour gêner la passe sur deux joueurs qui sont décalés. Et ils le font remarquablement, les Irlandais, et puis l'organisation. Parfaite, ça tourne comme une montre. 5 minutes avant la fin de cette première période, des Néo-Zélandais menés de 12 points par les Irlandais, vainqueurs du dernier test. Là, c'est la série qui est en jeu. Et encore un ballon capté, gagné par les Irlandais en touche, qui avance par Sheehan, leur talonneur. Sexton passe à hauteur pour Bondia, qui le redoublait pour Sexton. On va chercher Keenan sur l'extérieur, le petit coup de pied, c'est magnifique. C'est récité ce rugby irlandais. Et regardez comme ils sont en difficulté. Will Jordan, il est plaqué par McHansen. Il est dans ses 22 mètres. C'est tellement facile pour les Irlandais de gagner 50-60 mètres, alors que les Blacks, eux, ont du mal à gagner 10 mètres avec une passe en avant. La facilité de franchissement des Irlandais comparé à la difficulté des Blacks, c'est incroyable. Alors on aurait pu penser effectivement que les Irlandais qui sont en tournée et ont joué deux matchs contre les Maoris seraient peut-être fatigués après une très très longue saison. Et c'est pas le cas, au contraire, ils sont comme sur les tournées d'antan,
où, comme il s'entraînait tous les jours, il commençait à carburer au maximum à partir avant, on va dire, le premier test. Et là, taper du poing, c'est eux, ce sont les Irlandais qui avancent, les Irlandais qui sont les plus vifs, les mieux organisés, qui jouent le mieux avec le ballon, qui portent le mieux le ballon. Et de l'autre côté, on est très emprunté. Après, les joueurs qui ont joué contre les Maoris ne sont pas les mêmes. Hein. Le 15 de départ, c'est absolument pas le même. Il a tout changé. Non mais je voulais dire, par rapport à la longueur de la saison, quoi, c'est ça, je veux dire. On peut penser que les gars, au bout d'un moment, ont besoin de souffler. Pas du tout. Là, on sent qu'ils ont conscience de l'enjeu et qu'ils peuvent rentrer, franchement, dans l'histoire de leur rugby. Quand on sait qu'en Irlande, il y a combien de joueurs ? 20 000 joueurs maximum. Oui, mais c'est là où on revient, hein, on va reparler des calendriers. Parce que effectivement, pour l'équipe de France, c'est la fin de saison avec des joueurs qui ont énormément disputé de matchs. Un garçon comme Tad Furlong, par exemple, qu'on vient de voir, lui, il en a disputé 7 de Coupe d'Europe, 6 de championnat, plus les matchs internationaux. Donc c'est pas tout à fait le même genre de saison. 13 matchs de championnat plus les matchs du tournoi pour Tad Furlong. C'est 25 matchs ? Ouais. Non, 13 plus 5, ça fait 18. 18 matchs plus les 3 ici. Allez, on en est au 21e match pour Tad Furlong cette saison. Le pilier droit de Leinster. Alors j'avais pris un joueur au hasard. Oui. Crouch. 21 matchs sur 10 mois. Oui. Vous avez vu le trophée ? Pour l'instant, le trophée, ce sont les Irlandais qui ont la main dessus. Et un ballon vite sorti intelligemment par Gibson Park et par le paquet d'avant irlandais. Doris, ça avance. Si les Blacks prennent un essai juste avant la mi-temps, ça sera dur, très dur pour eux d'espérer revenir dans ce match avec Bundiaki. Magnifique passe de Bundiaki. Et Robbie Henshaw marque le troisième essai irlandais à 3 minutes de la mi-temps. Les Blacks sont KO. Vous pouvez le dire, hein, quand on sait qu'ils prennent, je vous disais qu'ils marquaient 6 essais par match, ils n'en encaissent qu'un essai par match, là ils sont à 3. Hein. Et puis alors, il n'y a rien à dire, en plus quand vous pensez que ça perd, c'est sur un ballon qui a été perdu, donc une mêlée. Regardez comment ça bouge chez les Blacks. Ça se traîne, c'est un train de marchandises par rapport à un TGV de l'autre côté. Terrible. Ah oui, c'est. Puis alors, ces joueurs irlandais. Vraiment, c'est très bien. Keith Earls qui a bondi du banc. Et oui, c'est un grand moment pour le rugby irlandais. Un grand, très grand moment qui est en train de se dessiner pour Johnny Sexton, qui pourrait être le capitaine à jamais de la première équipe d'Irlande à remporter une série en Nouvelle-Zélande. Ouais, il faudrait changer, parce que là, tout à l'heure, ils étaient déjà à 999. Pour les Irlandais, 3 pour les Néo-Zélandais, 19 points d'écart. Alors là, je suis un petit peu inquiet beaucoup pour les All Blacks, parce que je crois que leur plus grosse défaite avec des points, c'est 30 en 1978 contre l'Australie. Vous avez pris 30-16 ou le troisième ligne australien, Carmanson a marqué 4 essais. Et après, ils ont pris des points, ils ont pris 35 points par exemple contre les Springboks, mais ils avaient marqué 55. Enfin, ils avaient gagné le match. Je crois que c'est le plus gros score, il me semble que c'est ça. Non, après, les Springboks ont gagné, je crois, de 31 points ou 32 points. À voir. Et c'est mal parti. La réaction, quelle va être la réaction des Blacks avec Boden Barrett, la croisée pour David Avili. Un plaquage cassé, c'est pas arrivé souvent durant cette première période, mais là on arrive dans la zone, voilà, la zone importante, la zone où il faut avoir, choisir les bonnes options. Ils n'y parviennent pas, ils ne trouvent aucune solution. Puis alors là, ce qui est terrible, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le doute s'installe. Et vous n'y croyez plus. Vous cherchez des solutions, vous voyez que les joueurs sont empâtés un peu, que ce soit Avili ou Ioane. C'est reparti sur Jordan. Ouais, mais regardez le nombre de verres, il y a un paquet de verres là. Ils sont 6, il y a 3 de noirs. Sans remettre un exploit personnel, les Blacks. C'est collectivement qu'ils pourront s'en sortir. Perdu. Allez, champion du monde en 2011 et en 2015, les Néo-Zélandais sont peut-être en fin de génération tout simplement. Et
il va leur falloir peut-être repenser beaucoup de choses. Quatrième mondial pour la première fois depuis que le classement est établi en rugby. C'est anecdotique, mais actuellement c'est peut-être symptomatique aussi des problèmes rencontrés par la Nouvelle-Zélande, parce que les Irlandais ont remis la main sur le ballon cette fin de première période et les Irlandais mènent de 19 points. Dan Sheehan, c'est propre. Attention, Kane a les mains sur le ballon. Ce sera une dernière pénalité, il y aura une dernière possession pour les Blacks en cette première période. Alors, mais on voit, ils bataillent individuellement les Blacks, c'est pas collectif. Or, le rugby néo-zélandais, sa grande force a toujours été le collectif, la nature de l'équipe qui dominait l'autre. Et là, c'est individuel. Vous avez vu, Kane était tout seul à la bagarre, tout seul. La touche de l'espoir. La touche pour entretenir l'espoir. Cody Taylor. La conquête. Ballon gagné par les Blacks. Avili. Rieko Ioane, coup de sifflet de Wayne Barnes. Pas droit, la touche. C'était pas droit. Donc on va en terminer là. On va en terminer là pour cette première période. Il y aura une mêlée quand même. You have to take the scrum. Vous avez, vous devez jouer la mêlée. Voilà ce que vient de dire Wayne Barnes. Pourquoi? That will be time once you take it. You've got to take the scrum. It might be a silly rule, but it is a rule. Mon rôle est peut-être débile, mais c'est mon rôle. Voilà ce que vient de dire Wayne Barnes. Enfin, mon silly rule. Oui, mais si la touche n'est pas droite, ah oui, il faut jouer. Si la touche n'est pas droite, on est obligé de jouer la mêlée. Ok, get your balance, last scrum good. Avec un peu d'humour, Wayne Barnes qui voilà, a mis fin à la discussion. C'est peut-être un rôle idiot, mais c'est mon rôle. Donc voilà, vous devez jouer la mêlée avant de rentrer au vestiaire. 19 points d'avance, une mi-temps complètement maîtrisée par les Irlandais. C'est la troisième mi-temps consécutive totalement maîtrisée par le 15 du trèfle face au All Black. Gibson Park, le ballon va être sorti et on va aller le mettre en touche. Gibson Park, voilà, qui trouve James Lowe. C'est terminé pour cette première période, totalement dominée par Johnny Sexton et ses troupes. 3 essais à 0, 22 à 3 pour le 15 du trèfle. Quel coup de tonnerre du côté de Wellington avec une équipe d'Irlande qui a archi dominé cette équipe néo-zélandaise. Avec fois-ci 4 minutes. 4 minutes pour avancer la défense. Sur un ballon porté, la force collective de ce pack irlandais, des avants irlandais qui bouffent les avants All Black, essai. Et partant de là, ils ont donné le là, les Irlandais, avec aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de passes, de fixation, d'intervalle et l'essai pour l'arrière à Keenan. Le premier essai de Josh Vanderfleer pour faire douter et ensuite deux essais magnifiques. On vient de voir celui de Keenan et regardez, que dire de celui-ci avec la charge de Keenan Doris. Le rock avec derrière le ballon pour Gibson Park. Et ensuite c'est un récital. C'est un ballon perdu. Hein. Ouais, c'est un récital de la part des Irlandais et qui viennent marquer ce troisième essai et qui archi dominent leur adversaire du jour. Les All Blacks à terre pour l'instant. Il leur reste 40 minutes pour réagir. On va quitter Wellington quelques instants pour une bande-annonce et on se retrouve ensuite pour meilleurs moments justement de ces séries entre les équipes du Nord et les équipes du Sud. Avec les statistiques de la première période qui sont étonnamment presque à l'avantage des Néo-Zélandais en termes de possession, d'occupation territoriale, de plaquage manqué même, il y en a plus du côté des Irlandais, sauf qu'en termes d'efficacité, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Et puis surtout en conquête, les Blacks ont laissé beaucoup de munitions en touche, ce qui n'est pas le cas des Irlandais. Ils ont été... Ils n'ont quasiment pas eu de coup de pied à négocier. Ils en ont manqué un. Enfin bref, de toute façon, quelles que soient les statistiques, on s'en moque. Ça fait 22-3 pour les Irlandais à la mi-temps. Il va falloir une sérieuse remise en question de la part des All Blacks pour espérer s'en sortir dans ce match. Sinon, ce sont les Irlandais qui marqueront un peu plus l'histoire. Des changements avec... des changements en mêlée. On va évidemment observer tout ça avec le renvoi donné par Boden Barrett. Oui, il fallait changer des choses et on change devant. Pourquoi? Parce que ça ne va pas du côté de cette équipe All Black. Dans l'équipe, dans le 8 de devant, ça n'avance pas. Donc forcément, derrière, les trois quarts ne peuvent pas s'exprimer. Barrett qui récupère le ballon. Alors,
effectivement, ils ont fait arrêter le 18 Tunga Fassi, mais rappelez-vous, Lolala était blessé à son genou gauche, donc il n'a pas pu continuer. Il était déjà qu'il n'avançait pas beaucoup. Avec Rieko Ioane et les All Blacks qui doivent absolument marquer rapidement pour se remettre dans le match, pour y croire de nouveau. Tunga Fassi, effectivement, le joueur des Blues qui est entré au poste de pilier droit avec Boden Barrett au cœur de la défense irlandaise. Will Jordan pour Kera Ioane, remplaçant de dernière minute de Scott Barrett. Taylor. Smith rapidement dans le sens. Avili. Jordi Barrett. C'est lent. Tiennent le ballon pour l'instant les Néo-Zélandais. 8e temps de jeu, parviennent pas à franchir. Avec Retallick, Smith. On essaie de dynamiser, d'accélérer. Jouer plus rapidement, relever rapidement les ballons. Whitelock, Smith encore une fois pour Boden Barrett. Boden Barrett, le crochet intérieur de Boden Barrett. Stoppé par Sexton et Tagburn. Cody Taylor pour entrer dans les 22 mètres. 11e temps de jeu. Grosse séquence imposée par les Blacks en ce début de seconde période. Jordi Barrett, tête baissée. Il n'avance pas. Il est bloqué par Doris. Tonga Fassi, ballon conservé par les Blacks. Avec un petit peu de réussite. Jordi Barrett, Boden Barrett qui attend du soutien. On a vu quand même l'habileté technique de la part de Boden Barrett pour ne pas laisser échapper ce ballon de ses mains. Ardi Savea qui met le talonneur Dan Sheehan sur les fesses, qui parvient à avancer. Sam Kane, 16 temps de jeu pour cette équipe des Blacks. Le genou est au sol, il faut relâcher les 30 pour Van der Vlier. Grosse entame de la part de Néo-Zélandais. Smith. Mais les Blacks doivent marquer. Retallick, les Blacks doivent marquer s'ils veulent y croire. Avantage en cours, vous avez vu le bras tendu de la part de Wayne Barthes avec Savea. Qu'est-ce qu'il a manqué l'autre jour en seconde période, Ardi Savea. Rieko Ioane. C'est toujours la même séquence. Monumentale séquence imposée par les Néo-Zélandais qui cette fois-ci parviennent à tenir le ballon. Boden Barrett avec Will Jordan qui n'avance pas. La défense irlandaise est toujours bien en place. Smith peut-être pour ici. Avili, Sivoris, le ballon conservé par les Néo-Zélandais. Sivoris, le slalom. Sivoris repris à un mètre. Aaron Smith, il est tenu par le pied. On est toujours dans l'avantage en cours. Sam Kane, ce serait un symbole si c'était le capitaine qui venait à remettre son équipe sur les rails. Avantage toujours, Ioane. Plaqué par Dan Sheehan. Continue à avancer, Savea. Ouais. Savea qui se retourne. Ouais. L'essai. On vérifie. L'essai de la part des All Blacks qui, au terme d'une séquence mémorable, monumentale, reviennent peut-être dans le match. Ouais, on vérifie s'il n'a pas marqué. On field try, we're just checking for Campelli Evans as if there's not any grinding. One second. Thank you very much. Obviously, penalty advantage if not. Bon, de toute façon, il y a deux avantages sur des pénalités. Mais là, on a retrouvé effectivement cette équipe des Blacks qui joue très très vite dans la défense. Avec des... Alors là. Oui, il a plaqué avec l'autre bras. Il a fait tourner le ballon, il n'y a pas de problème. Et c'est, voilà, ce type Savea, c'est lui quand même qui amène en pointe cette équipe. Ouais, on l'a vu au niveau de la troisième ligne, cette troisième ligne qui est opérante quoi maintenant. Mais c'est à partir du moment où vous avez des avants qui ont été bien amenés aussi par Boden Barrett. Vous l'avez signalé deux fois, on a vu Boden Barrett rentrer dans la défense. Et la deuxième fois, ça a quand même ouvert une petite voie d'eau. Et ils sont arrivés, ils ont continué, ils ont été patients. Les Irlandais ont très bien défendu. Mais bon, à un certain moment, il faut se dire que l'attaque est plus forte que la défense. Quelle séquence en tout cas imposée par les Néo-Zélandais en ces débuts de seconde période. Attention parce que tous les points vont compter. Il le sait, Jordi Barrett, il a manqué son premier coup de pied, il a marqué une pénalité. Là, c'est l'opportunité de revenir à 12 points. Ça passe, les Blacks ne sont plus menés que 10 à 22. Alors, intéressant de regarder comment... Les Irlandais vont faire leur coup de pied de renvoi. En principe, ils les font très très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. À chaque fois qu'un Black récupère le ballon sur le coup de pied de renvoi, il est déjà dans les taux. Parce qu'il a Tonga Fassi, il est blessé. Ah, je serais curieux de savoir combien de temps a duré exactement cette séquence. Parce qu'il y a eu une bonne... On n'est pas loin de la vingtaine de temps de jeu. Ah oui, mais la durée de la séquence imposée par les Blacks, ça a duré depuis le début de la deuxième période.
Il n'y avait pas eu d'arrêt de jeu. Mais il ne me semble pas, c'est non, ce que je voulais vérifier. Effectivement, ça fait plus de 3 minutes pour cette équipe des Blacks. Tonga Fassi, en tout cas, qui est touché. Ouais. Attention, parce que Tonga Fassi vient d'entrer. D'or. Ah ouais, donc, est-ce qu'on va voir Lolala revenir? Je ne sais pas. Lolala, il était blessé au genou. Hein. Alors, vous avez vu, oui. Qu'est-ce que vont faire les Néo-Zélandais? Il ne voulait pas sortir et c'est le médecin qui a parlé avec l'arbitre et l'arbitre qui a dit si tu dois sortir, on doit vérifier. Il a été dans cette. Ah, c'est Bundiaki qui vient le prendre plein fer. Ouais. Ah, ils vont peut-être regarder. Ah, mais attention, est-ce qu'éventuellement il n'y a pas un coup de boulard? Non, il pousse bien, non, il n'y a pas de problème. En tout cas, les Néo-Zélandais ont entamé la seconde période avec l'orgueil d'une bête blessée. Népolo Lala est revenu sur la pelouse avec son numéro 3, vous le voyez, Brody Retallick sur sa ligne des 22 mètres. Est-ce qu'on va assister à un réveil incroyable de la part de ces Néo-Zélandais? En tout cas, c'est bien parti pour cette seconde période, pour ce début de seconde période. Avec le coup de pied de pression de la part d'Aaron Smith. Tout de suite la pression sur Hugo Keenan. Gibson Park. Une volonté de tenir le ballon à la main. Pas de retourner trop vite au Black. Ils ont vu qu'il y avait un ressort qui s'était amorcé de l'autre côté. Hors jeu, Smith. Oui, ils ont remarqué qu'il y avait, une embellie en ce moment des Blacks. Les Blacks avaient retrouvé du ride. Donc, hop, ils veulent le casser, le ride. Donc, à ce moment, il faut tenir le ballon. C'est pas nécessaire de jouer au pied. Oui, parce qu'il y a de l'expérience chez. Les Irlandais, notamment Johnny Sexton, 108e sélection donc aujourd'hui. Et lui qui rejoint Paul O'Connell avec 108 sélections. D'ailleurs, ce ne serait pas étonnant, même si Farrell, s'il voit que les All Blacks retrouvent le sens de la marche avant, face assez vite du coaching, ça, c'est pas impossible. Ouais, vous voyez, les joueurs qui s'étaient laissés chauffer sont en train de revenir sur le banc et il va peut-être faire quelque chose assez rapidement. Dunchian au lancer. Stackburn, sorti par Van der Fier, le retour intérieur pour James Love, il était attendu James Love, il est allé buter sur l'Olala. Sheehan, mais il est solide James Love, il se relève sans problème avec Andrew Porter, le pilier gauche de cette équipe irlandaise, le jeu dans le sens. Owen Shaw, il n'est pas tenu Owen Shaw, donc il parvient à libérer sa balle. Ballon gagné par les Blacks. Et par Ardi Savea. Et oui, Ardi Savea. On vous disait qu'il avait tellement manqué la semaine dernière après le carton rouge. Décision étonnante de Ian Foster de le faire sortir. Complètement. Décision contestée, mais regardez Ardi Savea. C'est lui qui remet les Blacks. C'est lui qui les remet dans le jeu. Complètement, ils avaient besoin de ce joueur. Hein. C'est vrai qu'ils cherchent toujours un remplaçant à Karanri, le magnifique numéro 8 qu'ils avaient. Ils n'ont pas trouvé un véritable numéro 8 dans le style néo-zélandais tel qu'on le connaît depuis longtemps. Avec les Lochor, Shelford et compagnie. Mais il a eu Shelford aussi parce que c'était un gros combattant. Et il amène son équipe. C'est important. Whitelock, Kane, Smith, Avili. Savea, la fin de passe de Savea. Il n'y avait pas de solution. Donc il a préféré aller défier lui-même la défense irlandaise. Ballon conservé par les Blacks. Inversion pour Aaron Smith. Ouais, ballon volé par Tagburn. Tagburn, il est puissant, il est solide. Le deuxième ligne irlandais. Le turnover qui pourrait faire mal à cette équipe des All Blacks avec Tag Furlong qui a trouvé Van der Fier. Ce sont les avants irlandais qui jouent comme des trois quarts et qui font mal à cette défense All Black. Mac Hansen, les voici les trois quarts désormais. Byrne. Ah, Byrne qui avait gratifié le début de match la semaine dernière d'un démarrage incroyable et d'une percée incroyable. Attention avec Jordi Barrett qui a stoppé cette balle de James Love. Smith, Cody Taylor et le pied gauche de Boden Barrett. Boden Barrett qui renvoie les Irlandais dans leur moitié de terrain. Touche trouvée, une touche qui fait beaucoup de bien aux Néo-Zélandais. Un très bon coup de pied de Boden Barrett qui lui aussi a été critiqué à l'issue de la défaite la semaine dernière, alors qu'on revoit cette interception de Tagburn.
Parce qu'il y a Richie Mounga sur le banc. Oui, mais c'est toujours facile de critiquer à partir du moment où vous jouez à 14, que vous êtes bouffé devant, quand votre demi-mêlée, le pauvre, vide expédient, et que vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que vous êtes muselé par une défense qui se déplace remarquablement, une défense qui se déplace, je le dis, collectivement, avec beaucoup d'à-propos. Vous touchez Sexton encore ? Oui, mais l'expérience. Je parlais d'expérience. Cassé complètement ce rythme. Alors, est-ce qu'il est touché au niveau de la tête ? Parce qu'il l'a déjà été, on vous rappelle, lors du premier match. Premier match, c'est ça, le premier test. Le 2 juillet. J'avais même été surpris qu'on leur fasse jouer le deuxième. Allez, oui, Joe Carberry, néo-zélandais lui aussi, de naissance. Mais sa mère est irlandaise et il porte les couleurs du 15 du trèfle. Regardez le discours de Johnny Sexton à la mi-temps. Avec toute son expérience, c'est pas fini les gars, c'est pas parce qu'il y a 19 points d'avance, on est quand même en Nouvelle-Zélande. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite, effectivement. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'il leur redonne très très peu de ballons. Très peu. Et qu'ils savent très bien qu'il a cassé le rythme. Bon, il va rester. Je pense qu'il y a un peu d'expérience. Oui. Un peu d'expérience là-dedans. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Ah, il prend des chocs. Hein. Dan Chien. Les Irlandais toujours aussi impériaux sur la touche. Ils ont perdu aucun ballon. Okay, aucune mission est égarée dans ce secteur avec la charge de Van der Flier. Côté fermé, le petit coup de pied par-dessus de Gibson Park pour mettre Tibouri sous pression. Ballon gagné par Whitelock. Barrett, il est coincé. Vous avez vu le style de défense, comment il y a automatiquement un joueur qui monte complètement en pointe et qui vous empêche de jouer sur le grand côté. Donc on se replace sur le côté fermé là-bas parce qu'ils savent que les Blacks vont repartir sur le côté fermé. Italique et Savea, ce sont les avants d'abord qui doivent faire la différence, évidemment, côté néo-zélandais, pour peut-être laisser ensuite des espaces à Jordi Barrett et consort Jordi Barrett qui était tenu par Kélan Doris. Alors que je crois que c'est Whitelock. Non, c'est Rodier Italique qui est sonné, qui reste au sol. Keenan. Qui a un gros coup de pied pour envoyer le jeu à l'entrée des 22 mètres. Boden Barrett pour le 50-22. Non, ce sera dans les bras de Keenan. Belle couverture irlandaise. Et Retalik se fait toujours soigner. Jordi Barrett. Il n'y a pas d'en avant pour Keenan. Ouais, c'est... À toi, à moi, qui va en profiter le mieux de ce ballon. James Love. Qui va mettre ce ballon en touche ? Boden Barrett. Il ne pourra pas jouer rapidement. Ah. Et Brodie Retallick qui parvient à pas se relever. Ah, fracture. Parce qu'il s'était en milieu de saison, il s'est cassé déjà. Oh là là, oui, en effet. Oh là là, mais attention là. C'est la pommette. C'est la pommette, il s'était déjà cassé une main en milieu de saison, il avait perdu, on va dire, 6 semaines. Oula, c'est pété. C'est pété, vous avez vu porteur. Faut qu'il sorte. Oh là là, regardez, il est déjà défiguré là. Oui, le médecin lui dit, tu sors mon pote, tu restes pas. Il va pas y avoir au moins la vidéo. Parce qu'il prend un coup de boulard quand même. C'est un garçon qui était même pas au départ dans les 23. Tu pouvais qui entre. Okay, so we're et on va observer la vidéo. Mais vous avez vu que Tupou va rentrer quoi qu'il arrive, et derrière ça peut être une sanction plus lourde, évidemment, pour les Irlandais et Andrew Porter. Ben oui, parce que quand on s'appelle Tavao, c'est le même geste. Tavao, il se baisse pas, il est haut, et il tombe pas avec sa tête. Et là, c'est pareil. Porter lui met un coup de boule. Après, il y a 20 cm d'écart entre les deux hommes. Hein. Mais c'était pareil avec Tavao. Okay, so one's upright, and there's head-on-head collision. So we have got. Voyez, regardez les questions. Ah, ouais, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un contact de la tête? Est-ce que c'est une faute? Quel est le degré de dangerosité? Et ensuite, est-ce qu'il y a de quoi pondérer, on va dire, la décision avec les circonstances atténuantes? Okay, there's no mitigation. Agreed. So we're going yellow card number one. Ça c'est yellow card. Carton jaune. Yellow card, c'est un peu gentil, je trouve. Bon. Carton jaune contre Andrew Porter, le héros du deuxième test. Alors évidemment, on entend gronder le stade de Wellington. Oui, parce que la semaine dernière, pour
une action quasi identique, je dis bien quasi identique. C'était un rouge contre Tavao qui a pesé lourd dans le match. Oui, parce qu'il faut quand même bien spécifier que le règlement est strict. Tête, quand un joueur qui amène sa tête sur la tête de l'autre, c'est rouge. Sauf que vous avez vu que la quatrième question, c'est est-ce qu'il y a une circonstance qu'on peut atténuer. Alors voilà, et là, il y a eu une circonstance estimée par Wayne Barnes. Voilà pourquoi Porter prend un jaune. Et voilà pourquoi les Irlandais se retrouvent à 14. Ça peut être un moment important, ça peut être un tournant. Ah, ça va donner des idées quand même, All Black, hein, un de plus. Alors le voici, Tupouvahi, qui vient d'entrer donc à la place de Brody Retallick, certainement de façon provisoire, en tout cas si Retallick passe. Déjà 4 ballons perdus en touche. Ouais, mais là, le ballon est assuré, la conquête est assurée par White Sox. Cody Taylor, ça n'avance pas, il va falloir sortir cette balle. Cody Taylor, voilà qui a déjà jeté un coup d'œil sur sa droite. Le départ de Cody Taylor, avec le soutien d'Aaron Smith, Ardi Savea, mais ça a manqué de vitesse. Smith a mis un peu de temps à servir son numéro 8. Akira Ioane face à Chiali est passé. Akira Ioane pour le réveil des All Blacks. À la 52e minute, les Blacks sont de retour. Quand vous dites qu'ils sont de retour, alors là, quand ils sont de retour, que la machine se met en branle, attention, ça peut être transformé. Et effectivement, nous n'allons pas assister peut-être au même match. Je dois dire que j'étais terriblement inquiet. Quelle action de Ioane. Regardez, il met trois défenseurs irlandais au tapis. Trois plaquages manqués, alors qu'il n'y en a vu que très peu en première période. 9 plaquages manqués par les Irlandais. Et je crois que c'est son premier essai. Son premier essai avec la tunique All Black. Akira Ioane est le joueur des Blues. Eh oui, quand les avants avancent, ça change tout. Lumière céleste, voilà ce que veut dire Akira, son prénom. Lumière céleste, est-ce que c'est la lumière céleste pour Akira Ioane? Oui, il est né au Japon, s'est transformé par Jordi Barrett. Ah, son père a été international Samoan, sa mère a été Black Ferns, donc international All Black. Chez les femmes, imaginez quelle famille que cette famille Ioane et Akira Ioane est en train de remettre les Blacks dans le match complet. 17-22, il n'y a plus que 5 points d'écart. Bon, ça vient quand même sur une infériorité. Sur une touche, ils avaient déjà perdu 4 ballons en touche. Donc là, visiblement, ils ont réglé le problème sur la touche. Ça a été remarquablement fait, quoi, c'est une prise de White Lock. Et après, ça enchaîne bien. Deux avants qui avancent, tout simplement, qui rentrent dans la défense. Bon. Deux essais marqués par les Néo-Zélandais. Et un 14-0 pour les 12 premières minutes de cette seconde période. Alors, visiblement, les cadres qui prennent l'affaire en main, White Clock, Cody Taylor. Ah, mais cette séquence de 3 minutes pour entamer la seconde période avec les avants, beaucoup plus tranchants, forcément, ça change beaucoup de choses. En avant. Bon, là, c'est les Blacks qui font un en avant. Donc, il va falloir faire sortir un joueur pour faire rentrer un pilier. Qui est-ce qui va rentrer? Porter, c'est le vieux. Excusez-moi, quand je dis le vieux, c'est Amica. Chianili qui devrait rentrer en pilier gauche. Ian Foster, est-ce que ces joueurs sont en train de le sauver? Parce qu'il est menacé, Ian Foster. Oui. En cas de défaite aujourd'hui, il serait menacé. Lui, il est tranquille. Andy Farrell, de toute façon, il a déjà réussi la série. Et c'est Canili, effectivement, qui entre 119e sélection. Donc, qui est-ce qui va sortir? Allez, regardez. Brian O'Driscoll, Ronan O'Gara, Rory Best et Canili. Et Canili qui pourrait rejoindre Rory Best pour être l'avant le plus capé. Mais il lui manque encore 6 petites sélections. Et il est plus tout jeune non plus. Et oui, c'est pour ça qu'elles sont plus petites, les sélections, maintenant pour lui. Elles sont importantes. Mais il peut faire des bouts de match, comme a fait Jason Leonard longtemps, qui avait été recommandé des sélections, recommandé mondial des sélections, qui faisait des matchs avec l'Angleterre à 3 minutes. Oui, 3 minutes. Ah, c'est Van der Flyer. Ah, c'est Van der Flyer qui est sorti, oui. Dommage. Oui, mais ils ont besoin du numéro 8 Doris, qui est au Mahoney, bien sûr, il n'y touche pas. Eux, ils ne touchent pas au Mahoney. Les autres avaient touché à Savea. Oui, bien sûr. À 7 en mêlée, les Irlandais. 7 ils ont mis à 3 quarts. Ils ont mis à qui? C'est Bundy à qui? Ouais, Bundy à qui avec ses 100 kilos.
pour jouer le troisième ligne. Elle, attention, parce que James Love, il faut le stopper lorsqu'il est arrivé comme ça en premier attaquant. Et Gibson Park a essayé de surprendre au ras du rock. Tiennent le ballon, ils ont raison. À 14. Et voilà. Et voilà. Et là, ce sont 3 points offerts. 3 points offerts aux Irlandais. Robbie Henshaw. Keenan, il n'y avait pas de solution, il passe par le sol. Le ballon est gagné par les Blacks, donc on va revenir à la pénalité. Et faute de Kane là-bas. Et c'est James Love encore une fois, hein, qui fait mal en venant en premier attaquant. Oui, parce qu'il joue de façon très très serrée pour ne pas perdre les ballons. Hein, ils ont raison, c'est pas la peine de jouer sur le large. Ah, il tape en touche. Non. Non, il va prendre les 3 points. Non, il tape en touche. Ouais. Ben remarquez, ils sont bons en touche, ils n'ont pas perdu un ballon. Et pendant que vous avez le ballon en touche, ça prend du temps déjà pour faire le lancer, ça prend du temps pour le garder au chaud. Deux franchissements, deux plaquages manqués contre James Lowe, 24 mètres gagnés pour l'ailier. Maintenant, faire un break de 10 points contre les Blacks, ça me semblait essentiel. Ouais. Ah, il le prend finalement. Parce qu'il est face au poteau, évidemment. Oui. Il est face au poteau et surtout, ça permettrait de remettre son équipe hors d'atteinte d'un essai transformé. C'était surprenant quand même le choix de le voir. Il a déjà marqué 7 points dans ce match. Johnny Sexton. La routine du buteur. Plus de 1000 points avec ce maillot. Frappé du trèfle irlandais. International depuis 13 ans. Ça passe pour Sexton. Irlande 25, Nouvelle-Zélande 17. Les premiers points des Irlandais en seconde période. Voilà, ça a gagné quand même pas mal de temps, parce que je vous parlais de la touche, vous pouvez gagner du temps, mais vous pouvez aussi perdre le ballon en touche, peut-être que là, vous ne le perdez pas sur le lancer. Et s'il y a un but qui est manqué, c'est renvoi au 22, vous récupérez le ballon, et les secondes et les minutes, c'est grave. Il n'y a pas de chrono. Oui, pour le buteur, c'est vrai. Encore 4 minutes en infériorité numérique pour les Irlandais. Il fait une 15, je vais regarder, il fait une 15 pour taper. Gibson Park temporise pour faire tourner le chrono. Jordi Barrett impeccable. Ah, il est grand, Jordi Barrett, 1m95. Difficile d'aller lui contester le ballon dans les airs. Vaille. Avec Aaron Smith qui a cherché à surprendre. Akira Ioane, ouf, il est carculé. Quelle charge encore de Akira Ioane. Et ballon gagné en revanche par Tagbert. C'est qui a plongé. C'est Cody Taylor qui plonge sur le côté. Ça fait déjà en un quart d'heure 3 fautes sur les zones de ruck. Est-ce qu'il va la tenter là, 50 mètres face au poteau? Possible. Oui. Il demande si c'est là. Alors il réfléchit, ça prend du temps. Il va la tenter. Oui, il va reposer de toute façon ses avant pendant ce temps, c'est pas plus mal. Parce qu'il y a Ken Healy qui est au sol, il a pris une bonne reculée là, sur la charge de Akira Ioane. Et Tagburn qui met les mains sur le ballon. Il fait une faute énorme. Ils avaient envoyé puis Vasacek s'échauffer, mais il rentre pas encore. Ok, clock's back on now, Johnny, ok. Pour être le All Black numéro 1204. Déjà international néo-zélandais, mais à 13. Oui. Ah, 28-17. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on ne retrouve pas les Blacks. Elle n'est pas mise encore. Hein. Oui, non, je veux dire, là où il donne, mettrait. On ne retrouve pas les Blacks sur des temps de domination longs. Ils l'ont fait en début de deuxième période, et puis après, terminé, les autres embrouillent bien, reprennent le ballon. Et Johnny Sexton à 50 mètres pour équilibrer quasiment en infériorité numérique le bilan des deux équipes, parce que s'il la passe, ça fera 6 points marqués par les Irlandais à 14.
long coup de pied de Johnny Sexton. Ça prend la barre. Attention à Smith. Hop, parce que James Love est arrivé rapidement. Et Will Jordan qui dévisse un peu son coup de pied. Ouais, le ballon qui reste dans l'air de jeu. Et Keenan, fallait le stopper. C'est ce que Jordan a réussi à faire. Ballon récupéré par les Irlandais. Toujours en infériorité numérique avec Sheehan, le talonneur du Leinster. Et le retour intérieur de Mahoney. Ballon conservé par Robbie Henshaw. Les Irlandais qui veulent à nouveau provoquer une faute des Blacks. C'est le premier coup de pied pendant leur infériorité à 14. Barrett, il n'y a pas dans l'avant. Et Jordi Barrett s'est jeté sur le ballon. Il n'y a pas dans l'avant pour les Blacks. Oh, superbe retour intérieur pour Will Jordan. Will Jordan qui a une solution sur l'extérieur. Will Jordan qui a rien connu à l'aide. Mais Will Jordan, il veut y aller tout seul. Will Jordan qui accélère. Will Jordan qui marque un nouvel essai. Son 19e essai en 15 sélections. Quelle course de l'ailier des Crusaders. Et merci Jordi Barrett. Merci Jordi Barrett. Parce que le geste technique n'est pas évident du tout. Et pas après, bien sûr. Quelle vitesse. Et Savea. C'est Savea encore. Thierry Exter. Ils amènent le. Mais regardez la couverture. Oui, il y a la couverture. Mais comment il fait? Parce qu'il va plus vite. Cette accélération. Il va plus vite. Et c'est Johnny Sexton. Il a vu que c'était Sexton face à lui. Oh. Il s'est dit, il a 37 ans, il n'a pas de l'affaire. Je ne sais pas s'il a réfléchi aux 37 ans de Sexton, Nicolas. Non, il devait le sentir. Il devait sentir tout ça qu'il allait plus vite que lui. Oh, mais le geste de Jordi Barrett. Que c'était beau. Aïe. Jordi Barrett, le retour intérieur de Savea. Et Savea qui est encore là. Et les Blacks qui ne sont plus qu'à 3 points. Quelle course! Et oui, il fait partie des grands ailiers néo-zélandais. Regardez ses stats. 19 essais en 15 sélections. On a souvent vu ça chez les Blacks. On a vu ça avec Savea, avec Rocco Soko. Et puis au bout de 35 essais, ça se calme un peu. Comme Rieko Ioane, c'était pareil. Bon, maintenant il est passé au centre. Mais 31 essais en 40 sélections. Et derrière, vous voyez celui qui leur manque beaucoup, Jack Goodhue, qui a été blessé pendant plus d'un an. Il leur manque au centre. Jordi Barrett, c'est manqué. 3 points avec. Ah non! Elle passe pas. Elle est pas revenue. Elle passe pas. Elle est pas revenue. Ouais, manquée. Ouais. Alors elle est manquée, donc il y a 3 points d'écart. Donc 15 contre 15 maintenant. Il y a eu beaucoup de changements avec l'entrée de Robert Herring au talonnage à la place de Dan Sheehan côté irlandais. Et là tout le monde peut venir. Alors on va revoir cette. Ça sert à rien. Regardez. Oui, mais là il faut savoir à quel moment le ballon incurve. Si c'est après. Ah oui, c'est après sur le poteau. C'est après que ça il est passé, il touchait le poteau. Donc il n'y est pas. Oh, dans quelques années, il y aura des infrarouges avec des caméras qui permettront de dire aux arbitres c'est bon, c'est pas bon. Il n'y aura plus de poteau, c'est ça. C'est derrière, il n'y a pas dans l'avant. Avec Fakatava qui est entré à la place d'Aaron Smith à la mêlée. Allez, choix fort hein, quand même parce qu'il reste beaucoup de temps. Et Munga est rentré. Et aussi. Munga à la place de Boden Barrett. Ouais, mais je ne sais pas si Barrett va pas être déplacé quelque part. On va voir. On va voir, je ne sais pas. Qui c'est qui pourrait, pourquoi il pourrait, si Boden Barrett reste, Jordan vient de courir, il va amener Avili. C'est Sivoris qui est sorti. Ah, c'est Sivoris. Donc Avili va aller à l'aile, bon, on verra ça. En tout cas, désormais il y a match. Désormais il y a match, 3 essais de chaque côté, 3 points d'écart, et les Blacks sont revenus. Faut jamais les enterrer trop vite, mais c'est pas fini non plus parce que les Irlandais n'ont pas abdiqué. Et Peter Wilkins, le coach assistant irlandais, qui dit de toute façon, on ne s'attendait pas à autre chose qu'un retour des Blacks. C'est un test. Et forcément, dans ces cas-là, bon, vous me direz que ça s'appelle politiquement correct. Merci de nous garder le match. Voilà. Avec Gibson Park et puis Keenan, Bundiaki. Il avait une solution. Il y avait James Love à l'extérieur. Il n'a pas vu, il n'a pas réussi à le servir. Le ballon est disponible. Il n'était pas sorti. Les Blacks ne contestent pas. Sam Kane qui vient demander une explication à Wayne Barnes. Parce que j'ai vu Hardy Savea aller prendre ce ballon. Alors, il était peut-être encore dans les pieds. Oui, c'est assez surprenant. Allez, position de hors-jeu. Alors est-ce qu'il était peut-être hors-jeu au départ, Savea, ça c'est possible.
En tous les cas, le demi-mêlée néo-zélandais, là, il leur fait mal hein, au All Black. Ouais, puis vous avez vu l'occasion parce qu'il y avait encore une solution sur l'extérieur de Bundiaki. Il y a James Love à gauche. Oui, il est loin quand même. Loin quand même. Non. Ah oui, il est hors-jeu, on le voit, ça vient, il est carrément hors-jeu. Il est en embuscade. Rien à dire, hors-jeu. Ouais, mais ça fait déjà, c'est curieux parce que ça fait déjà 4 pénalités contre les Blacks en deuxième période. Premier lancé pour Robert Herring de l'Ulster. Avec l'entrée de Papali à la place de Sam Kane. Ouais. Le capitaine qui est sorti à la 65e minute. Ça aussi, c'est pas fréquent chez les Blacks. Non. Non. Conquête assurée. Ils ont déjà été battus sur ce même mouvement en première période. Et ça avance toujours. Cette fois-ci, c'est stoppé. Non, essai validé par Wayne Barnes. Les Irlandais qui remettent un coup sur la tête des All Blacks. Dès qu'ils ont été à 15, ils ont remis la même musique alors que O'Mahony s'est fait mal au bras. Là, cette fois-ci, ça le fait. Mais voilà, ils font des choses très simples qu'ils savent très bien faire. Comme les Blacks ne viennent pas au contre, ils font toujours ce même truc, vous voyez, avec Dan Coles qui est au milieu de l'édifice. Mais comme ça pivote très très bien, eh bien, le talonneur Herring peut s'échapper et malgré Avili, marque. Ouais, comme quoi, il va falloir être vigilant côté néo-zélandais à la discipline, hein, si proche des lignes. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est la sanction, il est parfait. Il est parfait cet essai de Robert Herring, qui lui est né en Afrique du Sud. Et Andy Farrell peut être satisfait parce qu'il devait commencer à douter en se disant waouh, attention, les Blacks reviennent. Là, il y a de nouveau 8 points d'écart et peut-être 10. Et puis, ils prennent 4 essais. C'est pas rien de prendre 4 essais. Hein. Ouais, l'objectif aujourd'hui, c'est de pas perdre. 4 essais, nous les Français, quand, enfin nous, pas moi, hein, mais l'équipe de France, quand elle avait joué en 79, qu'elle a gagné pour la première fois en Nouvelle-Zélande à Auckland, avait marqué 4 essais. C'est très très rare. Remettre les Blacks à 10 points, c'est l'objectif de Johnny Sexton. Ça passe à 15 minutes de la fin de la rencontre. Les Irlandais prennent 10 points d'avance, 32-22. Quel match! Ah oui, parce qu'ils reviennent régulièrement dans le match, ils arrivent à casser la dynamique des All Blacks. On pense que les All Blacks, à un certain moment, vont reprendre les affaires en main complètement, vont redonner du rythme au match. C'est eux qui vont dicter le tempo, et pas du tout. Voilà, Conan qui rentre à la passe au Mahoney, on a vu qu'il était blessé. Bundiaki dans ses 22 mètres. Love. Gros coup de pied gauche. Baden Barrett joue rapidement, non. Il préfère temporiser. Donc il est resté, Baden Barrett. Alors qui c'est peut-être son frère qui est passé à l'aile. Jordan au centre ou Jordi au centre. Oui, Jordi passe à l'aile, vous voyez. Et Baden Barrett est arrière, c'est ça. Avec Dane Coles en entrée à la place donc de Cody Taylor. Alors la dernière fois qu'ils ont été battus chez eux avec 32 points, c'était Hamilton en 2009 par les Springboks. Ils avaient perdu 29-32, les Blacks. Whitelock commence à régler leurs problèmes de conquête, les Néo-Zélandais. C'est Papali, oui. Lolala. Will Jordan. C'est vrai, c'est Eric Ball, hein, qui suit ce match, qui nous a fait remarquer que l'essai de Jordan, ça vient de la pénalité sur la transversale. Oui. Baden Barrett, c'est comme la première séquence, hein, le premier essai qui a remis les Blacks dans le match. 2 minutes 50, 32 passes, 24 phases de jeu. C'est quand même pas mal. Ce sont des statistiques qui marquent. Et là, arrêt de voler de la part d'Hugo Keenan dans ce match complètement fou, un match pour l'histoire, on vous le rappelle. Il n'y a que l'équipe de France comme équipe de l'hémisphère nord à être venue gagner une série de test match ici en Nouvelle-Zélande. C'était il y a 28 ans.
Ça fait loin, hein. Alors, en avant de Gibson Park. Ça peut profiter à Vakatawa. Il n'est pas tenu, donc s'il peut se relever. Combien en avant, donc ah, on va revenir. En avant, il y en avait un avant, d'accord. En avant de Gibson Park. Seule l'Irlande un peu passée devant au classement World Rugby à la première place mondiale. En cas de victoire aujourd'hui, les Irlandais passeraient devant les Français. Ce serait eux, la deuxième fois de leur histoire, qu'ils seraient à la tête du rugby mondial. Ils l'ont été deux semaines en 2019. Alors que la Nouvelle-Zélande est à son plus mauvais classement, quatrième. Et ça marque ça parce que du côté du pays à la fougère argentée, on a l'habitude de dominer le rugby mondial. Et vous le voyez évidemment parce que c'est vrai qu'on se laisse embarquer par ce superbe match. Mais c'est pas terminé pour la journée. Australie-Angleterre à partir de midi, toujours sur Canal+. Et à 17h, vous aurez l'Afrique du Sud face au Pays de Galles, toujours sur Canal+. Et dans la soirée, sur Canal+ décalé, Argentine-Écosse, pour voir si l'hémisphère sud prend sa revanche. Pour l'instant, c'est mal parti. Tous les cas, c'est intéressant de noter, hein, c'est que cette équipe d'Irlande a franchi un palier. Ça, c'est évident que ces matchs en Nouvelle-Zélande vont permettre à cette équipe de Farrell de grandir encore plus. L'équipe de France, elle, on sait qu'elle a grandi pendant le tournoi. Et donc, on se dit ben, que finalement, c'est peut-être les équipes du Sud, quand elles vont arriver à la Coupe du Monde, qui vont se poser des questions. Et on vous rappelle hein, que la prochaine sortie de cette équipe néo-zélandaise, ce sera le 6 août prochain sur Canal+, à 17h, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Ce sera un match évidemment très intéressant, les All Blacks face aux champions du monde sud-africains, qu'eux aussi ont été battus par les Gallois au moins une fois. Pour savoir s'ils le seront deux fois, il faut être présent sur Canal à 17h. Avec le départ d'Ardi Savea pour Will Jordan. Will Jordan qui accélère. Will Jordan, tout ça encore, non. Cette fois-ci, la défense est là et le soutien qui arrive. Fakatawa, la passe tendue devant la défense irlandaise pour aller trouver Vaï. Rien n'est fini dans ce match. Et encore ça. C'est encore ça, hein. C'est lui, hein. C'est lui qui réveille ses blagues. Fakatawa, là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a Furlong face à lui. Attention, là, oui, ils sont en difficulté. Munga au sol. Faut qu'il se replace pour... Et on va revenir à une pénalité pour une position de hors-jeu de la défense irlandaise. Non, ça sert à rien parce que s'il marque un but et ensuite un essai, ce serait que match nul. Donc, qu'est-ce qu'ils choisissent? Vous savez à qui parle? Coles, Lele. Très bien. Oui, parce que Sam Kane est sorti. Donc, le capitaine, apparemment, c'est Dane Coles. Hein. C'est lui qui est allé voir Wayne Barnes. Oui. Il y a Whitelock aussi. Oui, parce qu'il y a Whitelock aussi qui a été capitaine, alors que Coles n'a jamais été capitaine. Ah, ils sont. Et l'entrée de Roger Twissavachek, la star du 13. Il était encore au rugby à 13 la saison dernière. Et il est arrivé cette saison du côté des Blues. Il était très bon dans le Super Rugby. Hein. Si je ne m'abuse, c'est le All Black numéro 1204. C'est encore un nouveau testé par Ian Foster. Alors, c'est une mêlée. Et Tad Furlong va céder sa place aussi après 70 minutes d'un énorme combat. Alors, je ne sais pas ce qui risque de se produire, mais en revanche, avec Twissavachek, c'est des joueurs qui jouent très rapidement dans la défense. Rectiligne, hein, c'est les joueurs qui vont chercher tout de suite le contact pour essayer de pénétrer au plus chaud de la défense. Alors, 24 ans que les Blacks n'ont pas perdu deux matchs de suite à domicile. 28 ans qu'ils n'ont pas laissé une série de test match à une équipe du Nord avec Ardi Savea, Fakatawa qui est pris, qui est plomb. La défense irlandaise qui a pris le dessus. Ouais, le contre-rock Black avec Ioane. Ioane et Savea qui font une drôle de deuxième mi-temps. Savea encore, l'homme à tout faire, mais plaquageux contre les Blacks. Eh oui, il a pris par le cou pour l'envoyer au sol. Donc là, on gagne du temps un petit peu chez les Irlandais. Voilà, qui c'est qui fait cette fois? Oui, voilà, c'est Whitelock, je pense, qui prend. Ouais, sur Bern, ouais. Ouais, c'est clair, il y a faute. Alors est-ce que... Oh, on va pas.
On soigne les détails. Le souci du détail. Remettre, resserrer les crampons pour Tag Bern. Alors, avec l'entrée de Conor Murray. Ce serait peut-être un peu rapide de dire que les Blacks sont redevenus une équipe ordinaire. Je pense surtout aussi qu'il faut rendre hommage à cette équipe d'Irlande qui joue très très bien, qui a appris dans le sens tactique, qui joue très très bien avec ses avants, qui joue bien aussi avec Sexton. Carl Twinu Coiffé, les moustaches les plus célèbres du rugby néo-zélandais, l'ancien Arbonnais, futur Montpellierain, qui va donc entrer à la place de George Bower au poste de pilier gauche en top 14 la saison prochaine. Et on retrouve la charnière côté irlandais, Sexton Murray. Sexton, 99e sélection aujourd'hui. Pas droit, premier ballon perdu. Moins de 10 minutes pour savoir qui va encore remporter ce match. 10 points d'avance pour les Irlandais en terre néo-zélandaise. Ils ont déjà remporté un match la semaine dernière contre ces mêmes All Blacks. Vont-ils doubler la mise? Bon, tout à l'heure sur la mêlée, ils ont préféré jouer autour. Là, certainement qu'ils vont chercher les grands espaces. Ça peut pas être évident pour les Irlandais de défendre sur cette mêlée si celle-ci avance un peu et dominatrice. Parce que le danger va venir de Jordan, le danger va venir de Barrett et le danger va venir de Tuivasa-Tchek. C'est pas facile de les avoir dans les yeux, ces trois gars. Le départ de Ioane aura de la mêlée. Fakatava, surveillé de très près par Van der Flier. Tuivasa-Tchek. Sam Whitelock, ça avance. Ioane qui est partout. Ouais, la fin, c'est bien fait de la part de Munga qui a patienté avec Boden Barrett. Il y avait son frère sur l'extérieur, il a préféré passer par le sol. Dane Coles avec Munga. On va chercher Will Jordan. Will Jordan avec sa capacité d'accélération. Will Jordan, attention parce que Tag Bern a une nouvelle fois les mains sur le ballon. Tag Bern a récupéré le ballon pour les Irlandais. C'est encore un contest gagné par les joueurs irlandais. Conor Murray temporise. Et James Lowe allonge. Est-ce qu'il peut jouer vite? Il joue vite. Non, il préfère repartir sur une phase. C'est la deuxième fois. Deuxième fois de suite que Tag Bern vient mettre ses grands bras sur le ballon. Impossible de le sortir. Là aussi, ça fait deux matchs consécutifs que le deuxième ligne du Munster fait une partie de très très haut niveau pour sa 33e sélection aujourd'hui. L'homme au casque bleu est un guerrier. Casque bleu, en principe. C'est pour ça que je l'ai fait. Bon. Je l'ai compris. Alors, tu sers la check sur les appuis. De spontanéité, de vitesse d'exécution, tout ça. Alors là, c'est un peu mieux. Les calls. Ils le savent, les Blacks, il y a urgence. C'est encore possible d'aller gagner ce match. Mais il va plus falloir donner grand-chose aux Irlandais. Fakatava, Whitelock. Whitelock, prise à deux. Plaquage très bas de la part de Finlay Bilham. Papali. Il gagne pas de mètre. Il gagne pas de mètre. Donc il y a Jack Conan qui avait les mains sur le ballon. Avili, sixième temps de jeu. Il en a fallu 24 lors du premier essai marqué en début de seconde période. Boden Barrett, le pas de doigt, non, il ne passe pas. Fakatava, c'est la ligne des 22 mètres du 15 irlandais, vous voyez, avec Jordi Barrett qui vient trouver Akira Ioane qui renverse tout sur son passage. Le ballon conservé par les Blacks avec Sam Whitelock, non, c'est Hardy Savea. Munga, la fin de passe, non, on pensait un moment à Tichistera. Le ballon conservé par les Blacks. Fakatava avec Boden Barrett. Will Jordan, ouais, la passe pour pas, était pas très nette. Avantage en cours. Oui, position de hors-jeu de Conor Murray. Et Lolala, je ne sais pas s'il s'attendait vraiment à récupérer ce ballon. Voilà, c'était bien fait cette croisée. Alors, ils ont déjà eu une opportunité comme ça il y a quelques minutes. Ils l'ont gaspillé. Ils jouent vite. C'est joué rapidement. Ils ne sont pas 10 mètres, les Irlandais. Attention. Ouais, puis ils ne se sont pas fait piéger par Johnny Sexton qui avait mis le genou au sol, qui est resté au sol. Les Blacks ont joué rapidement. Il leur reste un pet à faire, le contre-rock irlandais. Ouais.
derrière le ballon perdu. Cela dit, monsieur Barnes, ils n'étaient pas à 10 mètres sur la pénalité, jouaient rapidement. Il y avait des joueurs qui étaient sur la ligne des 5 mètres. De l'expérience, de la malice côté irlandais. Et Johnny Sexton qui dégage son camp. Encore une occasion manquée. Et toujours ces 10 points d'écart. Il y en a d'avance à Katawa. Alors, c'est certain que dans le coaching de cette équipe All Black, vous avez un jeune Fakatawa qui n'a pas beaucoup de métier et vous le faites rentrer sur le dernier quart d'heure. Vous avez besoin d'avoir un cerveau qui connaît bien la musique de ces matchs de très haut niveau. Et il n'a peut-être pas le métier. Et Johnny Sexton, épuisé par ce match, cède sa place à Joey Carberry. Le demi d'ouverture du Munster. Lui aussi néo-zélandais d'origine. Ian Foster, plus que jamais menacé, avec le Kieran Treadwell également, qui entre à la place d'un Tag Bern monumental. Et une équipe d'Irlande monumentale. C'est joué rapidement par les Blacks, Fakatawa, et tout de suite pris par Kieran Treadwell, Conan Moretta, qui ont joué avec les Maori mardi quelques minutes. C'est là aussi qu'il y a dans les critiques, on va dire, pourquoi se priver de Perenara qui est un joueur d'expérience. Et l'interception de James Stove. Non, c'est Carberry. Là, il faut tenir le ballon. Ils n'ont pas... pas faire sortir les ballons. Bien chaud. Ouais, mais il veut repousser les All Blacks loin de leur moitié de terrain. Et là, que va faire Boden Barrett? Ils sont plus capables de traverser le terrain. Ils ne peuvent pas traverser le terrain. Regardez Van der Fier qui est déjà là pour empêcher Jordi Barrett de relancer cette balle. Le petit coup de pied par-dessus de Boden Barrett. Boden Barrett, il a encore des jambes. Mais le ballon récupéré par Keenan. C'est la balle de chaos peut-être pour les Irlandais. James Love, superbe coup de pied rasant. Et Munga est sous pression. Munga perd ses appuis. Ce sera un renvoi d'embout. Voilà, il faut envoyer en drop, donc ils vont redonner le ballon aux Irlandais. Ça semble compliqué pour les Néo-Zélandais. Est-ce que pour la première fois depuis 28 ans, les Néo-Zélandais vont perdre une série de test matchs face à une équipe de l'hémisphère nord chez eux? C'est bien parti pour les Irlandais. Étaient entrés dans l'histoire la semaine dernière en gagnant une première fois en Nouvelle-Zélande. Ils sont en passe de doubler la mise. Oui, puis ça fait maintenant beaucoup de victoires sur les All Blacks. Ils ont un solde positif là. Hein. Ils ont un solde positif depuis leur victoire à Chicago. C'est ça. En 2016, leur première victoire face aux All Blacks. Les Irlandais sont la bête noire des Néo-Zélandais. Avec Van der Fier pour Murray dans les 22 mètres. Ça aussi, ils savent le faire, conserver les ballons. Tenir cette balle, ils l'ont tellement bien fait en première période. On se rappelle les 40 et quelques séquences de jeu au Stade de France contre l'équipe de France pour marquer un drop de Sexton et gagner. Donc là, il les retourne. Ben, ils n'ont même pas besoin d'un drop. Non. Ils ont besoin de tenir le ballon. Ouais. 2 minutes encore. Éteindre définitivement tout espoir néo-zélandais. Les Néo-Zélandais qui ont réagi quand même en cette seconde période. Faut pas enterrer trop vite les Néo-Zélandais à 14 mois de la Coupe du Monde. La passe est en avant, non? Pour Keith Earls qui vient d'entrer. Lui qui a été capitaine des Maori mardi pour une victoire irlandaise. La première des Irlandais également face aux Maori néo-zélandais. 11e temps de jeu. Et ballon gratté par les Blacks. Ça urge pour les All Blacks. Oui, on est à 14 mois de la Coupe du Monde. Oui, les Blacks sont en train de douter, mais il ne faut pas non plus les enterrer. Certainement pas. Tu peux varier. Certainement pas, mais il va falloir surveiller ce qui va se passer maintenant dans le pays parce que ça va carillonner un peu partout. On va demander à ce que les têtes tombent. Là, en revanche, le ballon est tombé. C'est un en avant. C'est bon, ils le savent derrière les Tag Bern et Johnny Sexton, ils le savent, c'est historique. L'Irlande va remporter sa première série de test match en Nouvelle-Zélande. C'est la première équipe de l'hémisphère nord depuis l'équipe de France en 1994. C'est une autre époque, Francis Delterral.
c'est une autre époque, mais c'est une très très belle équipe d'Irlande. Oui, mais toutes les époques allaient gagner chez eux. Comme vous disiez, les Australiens y ont gagné trois fois, une série de tests, et les Springboks une fois. Et pour la première fois également depuis 98, c'est la première fois du 21e siècle tout simplement que les Néo-Zélandais vont perdre deux fois de suite à domicile. Première fois depuis le début de ce 21e siècle. Oui, voilà, voilà l'exploit que sont en train de réussir Johnny Sexton et sa bande. Johnny Sexton qui en plus a passé la barre des 1000 points aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires aujourd'hui. Il y a beaucoup de belles choses pour le 15 du trèfle. Et regardez de l'autre côté, un joueur contesté, le capitaine Sam Kane qui est sorti à la 60e minute. Le sélectionneur également Ian Foster. Le tout à 14 mois de la Coupe du Monde. Le tout à 3 semaines du début du Rugby Championship. Et le tout sur une dernière mêlée. Une victoire 23-12 la semaine dernière pour les Irlandais. Là, c'est 32-22. 11 points d'avance la semaine dernière, 10 aujourd'hui. Et 4 essais marqués. 4 essais marqués par les Irlandais. Oui, on peut comprendre l'intensité de... C'est pour Mahoney, là, je pense. Oui, oui, c'est ces vieux guerriers qui ont subi souvent les Blacks, qui ont subi les Springboks, qui n'ont pas eu toujours beaucoup de réussite. Avec l'équipe d'Irlande. Hein. Mais la dernière fois qu'il est venu avec les Lions britanniques, il n'a pas perdu non plus la série contre les All Blacks. Et là, il y revient 5 ans plus tard pour aller gagner cette série. Oui, c'est historique. Ça l'était la semaine dernière parce que c'était la première fois. Mais le faire deux fois de suite, c'est encore plus beau pour l'Irlande. Gagner deux fois de suite en Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose qui vous marque à jamais. Connor Murray. Pour les 5 dernières secondes, tenir cette balle encore 5 secondes et les Irlandais tiendront leur exploit monumental. Voilà la sirène qui retentit à Wellington. Connor Murray, ils vont continuer à jouer les Irlandais. Connor Murray va chercher son demi-ouverture. Voilà qui est fait. Le ballon qui est sorti par, c'est un symbole par Joey Carberry. Victoire de l'Irlande. Victoire 32-22. L'Irlande qui remporte la série de test match en Nouvelle-Zélande et qui met les All Blacks genoux à terre. Quelle victoire de la part de l'Irlande. Ils l'ont fait une fois la semaine dernière, ils l'ont fait deux fois aujourd'hui. Ça restera à jamais marqué dans leurs esprits, ça restera dans les livres d'histoire du rugby mondial, cette victoire de l'Irlande. Et une victoire qui ne souffre aucune contestation. On va revoir ça, Francis Delterral, parce que franchement, ce sont de belles images. Regardez rapidement avec dès la quatrième minute. Ça illustre tout la puissance des avants irlandais qui ont toujours mis sous des ténoirs les avants blacks. Regardez, prise de balle.